Non, vous ne rêvez pas, ils ont bel et bien enfin rajouté le traîneau pour pouvoir récupérer du bois facilement. Et ça, c'est un plaisir. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez tous très bien. Salut Kelvin. Salut Virginia. Ah, Virginia, elle me fait un petit peu la tête parce que je les ai un petit peu délaissés ces derniers temps. Non, mais je sais, c'est pas facile. Alors voilà, les amis, patch numéro 5, nouvelle mise à jour sur Sons of the Forest avec quand même du très très lourd. Alors, je veux pas faire genre, hein, je veux pas non plus faire le mec qui dit ouais, c'est incroyable tout ce qu'il y a comme nouveauté. Non, mais disons qu'il y a quand même des petites nouveautés assez sympas. Même si ça aurait été mieux d'avoir ça dès le début du jeu, j'en suis parfaitement d'accord. Donc, notamment ce fameux traîneau à rondins. Donc, c'était comme sur The Forest à l'époque. C'est-à-dire que t'étais là, t'étais en pleine forêt, t'étais en train de couper ton arbre, voilà, et puis admettons que t'avais coupé je ne sais combien d'arbres, et ben voilà, tu te retrouvais, bah de toute façon vous avez vu mon let's play hein, mais même vous qui jouez, tu te retrouves là avec toutes les bûches, tu demandes à Kelvin de transporter les bûches, et c'est une galère sans nom quoi. Alors tu peux utiliser les ziplines justement pour pouvoir transporter les bûches, mais c'est vrai que c'est vraiment pas l'idéal. D'ailleurs, nouveauté, mais je crois que ça date de la dernière mise à jour, Kelvin maintenant peut transporter deux bûches au lieu de une, donc c'est déjà sympa. Mais bref, c'est là que intervient le traîneau à rondins de bois, qui se trouve dans les utilitaires, traîneau à bûches basique, et ils ont ajouté également un traîneau à bûches avancé. Dans tous les cas, voilà le traîneau à bûches classique. Hop, donc tu le places, donc t'as juste besoin de 32 sticks, ce qui est quand même assez énorme, hein, il faut le dire. Hop, voilà votre traîneau, donc là tout simplement, bah tu peux prendre toutes les bûches que t'as récupérées, et puis voilà, t'as juste à te barrer avec. T'as fait tes courses, t'es bien content, voilà. D'ailleurs, vous pouvez constater sur le GPS en bas à droite, qu'il y a, bah, comme sur The Forest, hein, un petit icône pour signaler où est ton chariot. Donc ce petit icône jaune, comme ça t'es sûr de pas perdre ton chariot, et tu peux le retrouver assez facilement, quoi. Donc tu peux mettre jusqu'à 8 bûches sur ce traîneau. Maintenant on va voir le traîneau à bûches avancé. Donc vous voyez déjà il a une autre, un autre look. Vous aurez besoin de planches de bois pour commencer. 6 planches de bois, donc rien de plus simple, hein, t'as juste besoin de tes bûches, de les casser en deux directement. Voilà, c'est pas du tout buggé, c'est ça qui fait plaisir. Bon bref, donc tu prends tes bûches, hop tu bouges pas, hop tu casses en deux. Après tu mets des bâtons, ça en demande énormément je trouve. Bon et une fois que t'as posé tous tes sticks, il te reste plus qu'à mettre du Shatterton, du tissu et tes deux crânes devant. Et tu as ton chariot. Ah, il fait de la lumière. Je découvre en même temps, hein, je vais être honnête avec vous. Attention Kelvin, enlève-toi Kelvin. Je pensais qu'on allait se faire arnaquer, mais en réalité, regardez-moi ce traîneau. Ah, on peut pas en mettre plus quand même. Oh là. Alors on a gagné quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on peut mettre jusqu'à 12 bûches. En vrai de vrai, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'on peut demander à Kelvin de tirer le chariot peut-être. Enfin, visiblement on peut pas lui demander de tirer le chariot, c'est bien dommage. Ça aurait été vraiment bien et ce serait bien qu'il fasse une mise à jour pour ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je pense que ça peut être une bonne chose que Kelvin puisse prendre le chariot. T'imagines? Eh, tu te mets trop bien. Une autre nouveauté de cette mise à jour, c'est la repousse des arbres, enfin. Puisque jusqu'à présent, les arbres ne repoussaient pas. Même moi je le savais pas, maintenant je viens de l'apprendre. Mais du coup maintenant les arbres repoussent quand tu les coupes. À savoir qu'il y a 10% de chance que ça repousse au hasard. À chaque fois qu'on passe la nuit en fait, à chaque fois qu'on dort, les arbres peuvent repousser donc à 10%. C'est activable dans les options, donc par défaut c'est activé. Il faut aller dans jouabilité, régénération des arbres, voilà par défaut c'est activé, mais tu peux désactiver. Donc dans ce cas là les arbres ne repousseront jamais, voilà tout simplement. Alors j'ai vu aussi la nouveauté, c'est qu'on peut maintenant ajouter des bâches aux rondins de bois. Attendez, peut-être qu'on peut essayer là sur cette structure déjà faite à mon avis. Oh, bah voilà, d'accord. Donc tu peux placer, d'accord, en mode toit ou sol au final. Ça peut faire aussi office de sol au final. Si j'enlève là. Ah oui, je vais pouvoir me mettre dessus. Ah, ça fait un trampoline. Ok, attends. Ah ouais, ça fait un petit... What? Bon, ça va pas aussi haut que le bug avec le monocycle là, mais... D'accord. Donc voilà, maintenant vous savez, vous pouvez faire un toit en bâche. Donc pour les débuts de survie, bah oui, pour les débuts de survie, c'est absolument parfait. C'est vrai que là, à ce stade, c'est un peu débile, mais pour les débuts de survie, c'est absolument parfait. Si tu veux te faire un petit truc un peu coucounet, un peu safe, comme ça, tac, baf, t'as juste à placer là. Sachant qu'en plus, bah voilà, tu peux mettre panneau solaire et tout. Il y a moyen de faire un truc sympa. Il y a moyen de faire un truc sympa avec cette option-là, c'est plutôt cool. Et ça économise du bois, d'ailleurs, dès le début. Donc vraiment, vraiment chouette à prendre en compte. Les nouveautés au niveau du monde, il y a alors des nouveaux clips vidéo qui ont été ajoutés. Donc vous savez, pour pouvoir lire avec la cassette. Oh, je trouve pas la cassette, ça me rend dingue de rien trouver dans cet inventaire, c'est incroyable. Bon, je trouve plus ma GoPro. Bah j'ai perdu ma GoPro, c'est pas grave, de toute façon la batterie elle tenait pas. Alors voilà, donc ils ont ajouté des nouvelles vidéos donc pour pouvoir encore comprendre l'histoire du jeu. Ah oui, maintenant il y a des casseroles. Alors bon, du coup j'ai pas de casseroles sur moi, il faut les trouver dans les camps, etc. Ils ont amélioré le système de nourriture et donc on va pouvoir mettre
de l'eau dans la casserole, faire chauffer les casseroles et composer des aliments dans la casserole. Mais ça, c'était comme sur The Forest. Alors ça, c'est un truc de zinzin. Ils ont rajouté 79 nouveaux étangs et 34 nouveaux lacs. Ça me paraît absolument aberrant. Je veux dire, alors la map est immensément vide dans tous les cas, donc je peux bien croire. Mais le chiffre est incroyable, quoi. Alors voilà, un des 79 nouveaux étangs. Vous l'aurez compris, hein, je comprends mieux un petit peu le bail. Le chiffre est colossal parce que regardez la taille des étangs. Si je dézoome la map, regardez les petits points là. Il y en a 5, 6 autour de moi. Donc tous les petits étangs. Alors tu vas te calmer là, le cannibale. Tous les petits étangs, c'est ça en gros. Alors pour les lacs, ça reste quand même 34 nouveaux lacs. Donc c'est quand même impressionnant. Il n'y a plus qu'à les trouver. Mais bon, pour les étangs, c'est vrai que maintenant on comprend mieux. Mais c'est ça qu'ils appellent un lac ? Bizarre. D'ailleurs, ils ont ajouté des yachts également un petit peu dans les parties de la map. Alors ça m'embête un peu parce que, bah justement, dans mon let's play, on avait trouvé un endroit qui était assez magnifique. C'était une sorte de creek. Malheureusement, bah, il n'y avait rien à faire dans cette creek. Et bah maintenant, ils ont rajouté un yacht là-dedans. Ok les amis, du coup, j'ai trouvé la creek dont je vous parlais tout à l'heure avec un des yachts échoués. Enfin, visiblement, il y en a deux. Alors ça, je savais pas, je crois qu'il y en avait qu'un seul. Donc apparemment, il y a plusieurs yachts échoués un petit peu partout sur la map. Et donc là, en l'occurrence, la fameuse creek. Creek où il y avait vraiment rien à faire. Alors c'est très joli, elle est très jolie la creek. Je me souviens que j'étais passé par là à un moment donné dans l'aventure pour justement accéder à notre ce qui aurait été notre future base. Et du coup maintenant, alors elle est toujours aussi vide visiblement, quoique maintenant il y a des arbres, je sais plus s'il y avait des arbres avant. C'est vraiment magnifique hein. C'est vraiment magnifique. Et du coup maintenant on a des yachts qui sont échoués. Et je trouve que ça rajoute déjà de l'intérêt à cet endroit, franchement. Et mais en vrai de vrai, c'est vrai, j'avais pensé à m'installer ici hein, durant le let's play. Bon, au final, j'ai fait le choix de pas m'installer là. Mais là, ça donne envie quand même. Et on se croirait pas un peu sur Koh-Lanta ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce yacht ? Hop là, on peut rentrer dedans. Ah, très bien, c'est gênant. Ah, voilà, c'est pas grave. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ? On a des tasses de café carrées. Déjà, ça, c'est bizarre. on peut rentrer dedans. Oh, les souvenirs là, ça fait un peu The Forest. On a date. Ah, les théories conspirationnistes. On a une caisse avec montre et à manger. Hop, direct, je prends. Merci beaucoup. On a encore à manger, une montre. Donc une chambre manifestement, très bien, un petit peu en bordel, en pagaille. Nous avons là. Et ben on a trouvé une GoPro. Voilà, moi qui cherchais une GoPro, et ben j'en ai une sur moi. Avec justement une nouvelle vidéo, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc ceux qui étaient sur ce yacht, c'était des conspirationnistes quoi. Des illuminés. D'accord, donc rien de plus. Mais on a du coup une nouvelle image vidéo qu'on a pu récupérer. Donc pareil, on rentre par derrière. Ça c'est vraiment mon petit plaisir personnel hein, après voilà. Donc toujours les tasses. Bah alors c'est exactement les mêmes emplacements. Ils se sont pas foulés la cheville hein. Ah il faut le dire hein, les gars hein, parce qu'après on dit que je suis un suceur quand je dis que le jeu est bien. On va pas se mentir, ils ont fait un copier-coller là hein. Alors on va voir l'intérieur mais à mon avis ah c'est exactement le même modèle. Ah là on peut récupérer une ampoule. Ah bah tu vois ils ont changé quand même. Ils ont changé quand même. D'accord, très bien. De la bouffe. De la bouffe. C'est bon ça. Ok, donc voilà, c'était les bateaux échoués. Il y en a peut-être d'autres sur la map. Bonne question. Ah, c'est chouette en vrai. En plus, sachant qu'en vrai, là, il y a des arbres. Attends, mais c'est vrai que là, il y a des arbres. Et on peut remonter visiblement, là. On n'est pas bloqué, mais c'est vrai qu'on aurait pu largement s'installer ici. Hein. Oh. Ici, c'est un spot pour s'installer. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Ils ont fait des modifications également sur la scène finale où on combat le boss. Donc ça, je vais pas spoil. Est-ce que vous avez une casserole ? Ah ! Wesh ! Alors quelque chose dont j'avais pas fait attention mais ça date depuis la dernière mise à jour, c'est qu'ils ont enlevé les points d'intérêt, donc les petits points verts. Donc c'est vraiment une bonne chose parce que beaucoup étaient, beaucoup de gens critiquaient le fait que bah voilà on voyait absolument tout sur la map, il suffisait juste voilà d'aller ici et là. Mais en même temps d'un autre côté c'est assez marrant. Alors moi je serais jamais content de toute façon mais c'est assez marrant parce que du coup là je sais qu'il y a une grotte ici là, la grotte de l'imprimante 3D mais du coup je sais même plus où elle est. Alors autant je connais la map donc voilà elle est là, voilà c'est parfait, elle est juste là. Mais du coup quand tu connais pas, c'est une galère comment tu veux trouver cette grotte. Enfin tu vois d'un côté je comprends évidemment ceux qui disent que c'est trop facile quand il y a les points d'intérêt. Mais en même temps quand il n'y a pas les points d'intérêt c'est quand même compliqué. Alors moi voilà, j'ai eu la chance d'avoir fait déjà un let's play à la sortie du jeu. Mais ceux qui savent pas c'est quand même assez aberrant. Alors pourquoi je vous retrouve ici les amis? Parce qu'on a une guitare à récupérer. La nouveauté c'est qu'on peut jouer de la guitare maintenant. Voilà, avant on pouvait pas jouer de la guitare.
Et maintenant on peut jouer de la guitare, donc ça c'est formidable. Alors la question que je me pose c'est, est-ce que les méchants ont respawn? Je crois pas, hein. Bon, visiblement les monstres n'ont pas respawn. J'espère bien parce que j'ai galéré ici, hein. Je me suis chié dessus, hein. Ah, je suis pas rassuré, hein. Je kiffe ce jeu parce que j'ai toujours la boule au ventre. Alors normalement la guitare elle est censée être par là. Bah oui, c'était le chanteur là. Et ben voilà la guitare. Ah non. Oh bah elle était là. Putain, j'ai même pas fait attention. Ok. Et en plus, incroyable. Incroyable. Bon, alors évidemment avec la guitare, j'imagine on peut donner des coups. Super, mais on peut jouer du coup. C'est dingue. C'est absolument incroyable. Je suis ravi d'avoir fait tout ce trajet pour ça. Non, en vrai, je pensais... Je suis trop con. Je sais pas à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment qu'on aurait pu jouer de la guitare, genre de nous-mêmes. Eh. C'est déjà pas mal. Ah bah attendez, je viens de récupérer une marmite là. Je viens de récupérer une marmite à l'instant. Ça va être l'occasion de faire des tests. Donc tu récupères l'eau dans la rivière. Hop, malheureusement tu peux pas récupérer l'eau de la mer. Hop, j'ai récupéré quelques cailloux avec. Alors donc là je suis totalement libre d'ailleurs de boire cette casserole. Donc c'est une sorte de gourde, hein, finalement. Là tu peux boire directement, sachant que l'eau est propre, hein, c'est comme avec la gourde juste ici, le flacon qu'on a imprimé avec une imprimante 3D. Donc ça permet de faire un stock d'eau finalement sur soi x2, franchement ce serait pour ça que j'utiliserais. Mais par contre tu peux également l'utiliser pour justement mettre ton poisson dedans, mettre quelques plantes, faire chauffer tout ça et puis tu te fais ta petite marmite quoi, tu te fais ton petit bouillon. Donc ça c'était comme sur The Forest. Voilà, on prend la casserole et normalement on va pouvoir la placer. Alors là c'est un petit peu débile, enfin quoi que si, on peut faire bouillir l'eau. Oh, batterie liquide, crème de champignons, évier de cuisine, Greg, jus de bûcheron, lait de poule, smoothie. En fait on peut, ah mais c'est encore mieux que sur The Forest, on peut confectionner des bouillons spécifiques. Je vais vous cuisiner une spéciale Kelvin mon pote. Et bien tout simplement je mets les trois poissons dans le bouillon et les huîtres. Et messieurs dames, on fait cuire. C'est incroyable. En plus le bruit de l'ASMR c'est incroyable. Alors, attends, on va faire cuire ça un peu plus vite. Bon enfin voilà un petit peu pour cette mise à jour, hein, ce patch 0.5. C'est également surtout des améliorations, également pas mal de correctifs de bugs. Ah ça y est, c'est prêt, on va déguster. Oh, et ça te permet de garder un stock en plus. Ok, donc tu peux récupérer la casserole fermée et donc tu as sur toi la spéciale Kelvin que tu peux boire, manger à n'importe quel moment. Non, c'est incroyable. Ah ouais, non, franchement c'est fort. Franchement c'est très très fort ça. Donc tu peux garder ça sur toi et t'as ton petit stock. Donc vraiment, alors là par contre pour le coup c'est mille fois mieux que ce que j'imaginais. Donc vraiment GG pour cette mise à jour. Ça fait du bien un petit peu ce genre de choses. Après voilà, sinon c'est des petits correctifs, hein, du genre les cannibales célibataires par exemple, ils auront un petit peu plus peur. Il y a des bugs avec des poissons regroupés, je sais pas quoi. Enfin c'est beaucoup de correctifs et ce genre de petits détails. Mais voilà un petit peu pour les grosses nouveautés, je suis très content. Tous ceux qui critiquent en vrai, bah je peux comprendre dans un sens. Après dans un autre sens, bah voilà, on reste avant tout des Français, hein, donc... Moi je suis 100% français, donc moi-même je suis le premier à l'heure. Non mais il faut le dire. Non non mais donc voilà, je peux comprendre parfaitement. Comme je l'ai dit, bah voilà, il y a des choses qui auraient pu être là dès le début. Mais voilà, pour autant j'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai comme dit hâte de voir au fur et à mesure, parce que vous avez vu comme ils avancent relativement vite chaque mise à jour. J'ai envie de te dire que dans un an le jeu il va être très joli et je pense que ça va être compliqué de le critiquer dans un an. Donc voilà un petit peu. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo patch note. Hâte de vous retrouver pour la prochaine. Je compte sur vous évidemment pour me bombarder la barre de like, la barre de pouce bleu, vos commentaires, ce que vous en pensez. Donnez une note sur 10 éventuellement sur cette petite mise à jour. Enfin petite ou grande, c'est un petit peu subjectif. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Aujourd'hui 16h, nouvel épisode de Far Cry 4 pour ceux qui suivent la série. Peut-être le dernier. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, plein de bisous. C'était Mkolo, ciao tout le monde.